Salut les amis, donc on se retrouve pour la petite séance d'évolution. Tac, 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 on va commencer, on est parti. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas beaucoup de premières J à faire évoluer, à part un ou deux. On n'a pas d'Arbok, on n'a pas eu de Pikachu, c'est un peu dommage. Je sais pas si je vais en avoir avec le chapeau de Noël. Donc, tac, 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 je sais pas si vous me voyez bien. Donc là, je suis en voiture, en normal. Tac, on va supprimer déjà tout ce qu'on a en trop, ça on enlève. Donc on a eu pas mal de chetiflore. Est-ce qu'on va pouvoir se faire un petit empiflore direct? Hop, la question reste posée. Donc j'enlève pas le 500 parce que je sais qu'il a 90 V. Je sais pas ce qu'il a l'autre que j'ai capturé avant en fait. Donc voilà, tac 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 tac. Tac tac tac. Hop. Ok. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas pu charger. Donc j'ai trouvé un nouveau Evoli que je voulais faire évoluer. Donc je l'ai appelé Tamao pour pouvoir faire évoluer mon machin avec mon. Dans la bonne évolution quoi en fait. Ouais j'ai pas... Ouais tant pis. Donc on va commencer par le tout en bas de la liste. Par le plus bas possible et inimaginable. Donc Axolotl on va enlever. On va enlever ça. On va enlever le Tedursa. On va enlever les Marcacrin. Le dernier Ambrilex. Je sais pas s'il est bon ou pas. Mais il va me falloir des œufs. Et des œufs. Ça dit qu'il faut que je les enlève. Voilà, et puis il faut que je fasse un peu de place parce que j'ai pas non plus énormément de place. Bon, non, j'en ai assez pour au moins avoir un exemplaire de chaque Pokémon. Donc, on va faire évoluer l'Ambrilex déjà pour commencer. Parce que tout à l'heure, dans mon 9-10 km, quoi, il fait 100 kg le petit machin. Donc, j'ai eu un Ambrilex tout à l'heure dans mon 9-10 km. Donc, on le fait évoluer. Tac tac. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ces vidéos vous ont vraiment plu à cette vidéo parce qu'il y en a qu'une et ça risque d'être quand même assez long. On va passer en même temps niveau 24. Je vais passer niveau 24. Donc la mise sans bonbons. Donc tac. Allez, un petit Marcacrin qu'on peut faire évoluer en je sais plus son nom à lui. Parce que c'est vrai que la deuxième G, je la maîtrise quand même bien, mais j'ai pas joué à la première de la 2G en fait. À Or de Nintendo de Game Boy Advance, j'ai pas beaucoup joué. Donc, allez, hop, un petit Cochignon, c'est ça? Oui, Cochignon. Et Mamochon, c'est la dernière évolution qui arrive dans la quatrième génération. En fait, je savais à quoi il ressemble, mais je sais pas forcément les noms de chacun. Donc, toi, t'as que 11 bonbons, donc il en manque un petit peu. Par contre, tu vas arrêter ça de suite. Allô? Putain, mais sérieux? Voilà. Donc, Axolotl. Qu'est-ce que t'as toi? Ah non, t'as pas assez de bonbons, c'est dommage. Il en manque pas beaucoup pourtant. Je demande à glisser, toi t'es... Je crois pas que j'ai des bonbons de nature, je dois pas en avoir assez. Ouais, il m'en manque 11. C'est vraiment pas beaucoup. Loupio, il doit m'en manquer pas mal. Coxyclac, je dois pas avoir assez de bonbons. J'ai assez de bonbons, mais j'ai pas un très bon Coxyclac, donc je vais pas le faire évoluer. Tic tic tic, j'ai un bon Hoot Hoot quand même. Un assez bon, ouais, il est bon, très bon. Mais j'ai pas. Ah, bah si, de toute façon. J'avais pas les bons Hoot Hoot. What the fuck, qu'est-ce que tu me fais? What? Ouais. C'est un peu relou. J'ai l'impression que le jeu ne veut pas que je fasse de séance d'évolution. C'est grave abusé parce que là, regardez, je lag. Heureusement que j'ai pas mis d'œuf chance.
Je sais que c'est pas très bon de pas avoir mis de chance, mais bon là, c'est juste que au final, le jeu arrête pas de planter et voilà, ok. Mais putain, j'en ai de la connexion. Qu'est-ce que t'es? Tu me chies là, putain, mais c'est pas possible. Bon, on va prendre les deux Pokéstops juste ici. Donc 2000, on a deux doigts de passer niveau 24. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis en 4G full, mais il veut pas me le prendre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce que je vais faire, je vais redémarrer le jeu, en fait. Allez. Je sais pas pourquoi. C'est pas forcément un gros problème. Je vais le régler. Je vais démarrer le jeu. Parce que. Donc j'en live. Comme vous voyez aussi, peut-être. J'ai changé un peu de skin, de thème de mon téléphone. Plutôt sympa. Ça que j'aime bien chez Sony. Ils font vraiment des trucs très sympas. Bon, souvent c'est payant. Mais je les achète pas, bien sûr. Je prends que les gratuits. Et c'est plutôt sympa. Le truc de la goutte d'eau, c'est assez sympa. Effectivement. Donc j'ai redémarré le téléphone, l'application pour voir si ça marche bien. Hop. Parce que là quand même c'est un peu dommage. J'ai vraiment fait pas mal d'évolutions. J'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai faites. Donc ce serait un peu dommage quoi que ce soit perdu. Bon allez, le jeu démarre. Je suis en 4G full. Presque. Alors voilà. Éviter les lieux dangereux sur Pokémon Go. Le jeu lag, hein, je le vois aussi et je pense que vous devez le sentir aussi. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Il y a un Typhlosion. Un Iricendre, pas un Typhlosion. Un Iricendre. Donc on va se pécho l'Iricendre. Vu qu'à chaque fois dans mes évolutions, j'attrape des Pokémon. Donc on continue comme ça. On va pas s'emmerder. On va attraper des Pokémon. C'est un peu le but du jeu, hein, perso. Mais, ouais, si tu attaques aussi pendant que je... Mais merde! Ouh, excusez-moi. Il m'irrite un petit peu. En joli, allez, c'est parfait. Un seul. Putain. On va mettre des Beframby, hein. Vous avez vu, il a changé de couleur l'anneau là. Tout à l'heure, il était un peu rouge orangé. Et là, il est passé au orange. Enfin, au jaune plutôt, c'est pas orange, c'est au jaune. Donc, c'est plutôt sympa de voir qu'au final, les bonbons font de l'effet sur les anneaux. Donc, est-ce que. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien de plus. Il y a pas mal de chutiflore. J'ai pas envie d'aller les chercher. Mais d'ailleurs, on va s'en faire un. On va se faire. On va se faire évoluer un chutiflore. Donc là, le jeu lag un petit peu moins, on va dire. Donc celui-là, je sais que c'est un œuf. Qui, d'ailleurs, bah, il manque des bonbons. Il m'en manque 10. 10 bonbons, il manque. C'est un peu dommage. Donc tac, tac, tac. Allez, on va avoir un empiflore. Il y a un Pokémon qui vient d'apparaître, je pense. Tac, c'est parfait. Donc ça va vraiment être un épisode très 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 long pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas au début à prendre des pop-corn, des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment très long. Donc on passe à l'Evoli. Donc ça marche qu'une seule fois par contre. C'est un et l'autre faut l'appeler je sais plus quoi. Pour que ça marche. Donc voilà. Mais ça marche qu'une seule fois. Voilà. Donc tac tac tac. Hop. Et voilà le Noctali normalement.
Voilà. Ça, c'est mon évolution que je trouve la plus belle des Pokémon, quoi, des Evoli, plutôt. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire évoluer encore? Je vais voir si j'ai assez de bonbons pour potentiellement le faire évoluer. Ah non, pas du tout, même. Mais en sachant que je n'ai pas les bonbons, ni l'objet. On va se faire un petit fouinard. Pardon. Donc, tac, 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 tac. Que je sais pas si je l'avais dans mon Pokédex. Donc, comme je vous dis, je vais prendre mes masses d'XP parce que s'il n'y a rien dans mon Pokédex encore. Il a quand même un bon PC. Donc. Ah putain, il m'en manque un, bah oui. Ah, j'ai encore le téléphone qui crachouille. Pourquoi c'est au même endroit? Le truc, c'est que c'est au même endroit que tout à l'heure, quoi, avec les out-out. Donc, tac, on enlève tout ça. Hop. Ça fait des bonbons. Et là, on peut se faire un petit Norfang. Donc, qui va être très bon niveau quand même, parce que lui est déjà plutôt pété. Bizarre quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il doit être bien plein. Donc, il faudra que je fasse un peu le ménage dedans encore. En gros, que je passe pas mal de trucs sur ma carte SD, oui. 1200 le Norfang, donc plutôt sympathique. Après, au fur et à mesure de mes niveaux qui vont monter, il montera avec, etc., etc. Non, je peux avoir Migalos aussi, je crois. Ouais. Donc j'ai eu pas mal de Mimigal. Et puis aussi, j'ai utilisé des bonbons. Donc grosse séance d'évolution. Je me demande si je vais même pas passer niveau 25 en même temps. Non, je déconne, parce qu'il faudra faire 350 000 pour pouvoir arriver niveau 25. Donc un Migalos, parfait. C'est vraiment super bien. Je complète le Pokédex de ouf, les gars. Alors, Marill, normalement, j'ai pas. Est-ce que Natu, j'ai quelque chose? Je crois pas non plus. Je suis pas loin. De toute façon, j'avais déjà regardé tout à l'heure. J'ai que 7, donc j'ai dû en avoir 2, je pense. Même pas. Est-ce que Marest, j'ai de quoi faire ou pas? Non. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour les gars. Je vais choper. Oh, un chétiflore. Mon sac est plein. Ok. Ok. Ah, ça y est, niveau 24. Il me donne mes trucs. J'ai inscrit 30 Pokémon dans le Pokédex de Johto. Donc dans la 2G en gros. Si on veut faire une comparaison. Donc je vais moi éviter de m'emmerder de trop. Le jeu rame à mort. Pourquoi tu ramais pas au début, maintenant tu rames? Je comprends parce qu'au final, il y a la vidéo quand même qui repose sur mon. Mais what? Mais c'est quoi ce lancer de ta fiole, putain, mais. Voilà, ça c'est un bon. Oui, parce qu'en gros, la vidéo est pas partie sur ma carte mémoire. Mais sur mon téléphone en lui-même. Et c'est pour ça aussi que ça doit laguer un peu. Parce que mon téléphone se remplit. Alors qu'au final, il n'a rien. En fait, il a pas de. Il se remplit parce qu'en gros, la mémoire se remplit au fur et à mesure. Parce que je crois qu'il me reste 3-4 gigas sur la mémoire du téléphone en lui-même. Et donc, ça fait pas beaucoup. Donc, il me manquerait plus que 5. Donc déjà, bon, on va supprimer des potions, hein, parce que 79, c'est pas très utile alors que je m'en sers pas. Voilà, 51, c'est parfait. Hyper potion, on va en supprimer un petit peu aussi. Hop. Si on sait jamais, si SP, on va peut-être avoir des baies. Des baies, des objets, je veux dire. C'est vraiment de la merde. Et voilà, là on peut prendre les deux Pokéstop tranquillement.
Ouais, pour avoir des Pokéballs, c'est pas ce qu'il y a de plus. Donc là, franchement, c'est vraiment un plus tombant spot au final, parce que si je mets... Ouais. Final, j'aurais mieux fait de les prendre, ça aurait peut-être été plus intéressant pour tout le monde. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à ce truc-là? Donc on a fait quand même 5000 machins en plus. Attendez, j'ai eu un truc, une notif. Ouais, c'est ça, en fait j'ai mon petit téléphone qui est plein, c'est pour ça que ça ramouille beaucoup. Donc quand je dis filmer maintenant, je pense que je vais mettre sur ma carte SD parce que je sais que ça vient pas de là. Parce qu'au début j'avais un décalage entre le son et la vidéo. Et je sais que ça vient pas de ça, ça vient de mon logiciel de montage. Et donc j'ai trouvé le moyen de tout avoir ce lag. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si vous en voulez encore des vidéos très longues comme ça, parce que là, elle va être affreusement longue. Et on en refera.